Test. Voilà, tu
acteurs, les dramaturges. Deuxième journée, et aujourd'hui, justement, nous allons avoir le premier plateau en compagnie de Véronique Canon. Mais dans un premier temps, permettez-moi de remercier aujourd'hui la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, le CRILACH, la Bibliothèque Universitaire, et en soutien, bien sûr, nos partenaires qui sont la CTM, la DAC, le Théâtre Aimé Césaire, la librairie Casabulle, qui est tout au fond de la salle, que vous pourrez retrouver au moment de la pause, l'occasion de trouver. Je rappelle que vous allez retrouver des livres des auteurs caribéens, africains et français, auteurs caribéens, et un certain nombre d'auteurs que vous connaissez ici, vous allez retrouver la publication de certaines de leurs pièces. Alors, je voudrais aussi remercier Martinique Première, Radio Caraïbe Internationale et France Antilles Magazine. Voilà pour les remerciements. Aujourd'hui et ce matin, nous allons rencontrer une des œuvres de Véronique Canon. Combien de solitude, c'est le texte, mais le spectacle, c'est Solitude Martinique. Véronique Canon, justement, qui va nous faire une performance. Alors, il est vrai qu'après cette performance, Véronique Canon va échanger avec un universitaire de l'UA, Frédéric Lefrançois. Donc, mais dans ce premier temps, c'est à vous, Véronique, c'est parti, on éteint la lumière. Merci, José. Depuis 1000 ans, j'héberge une île. Je n'ai pas eu le choix, à vrai dire. Elle m'habitait, bien avant que mon corps ne m'habite. Je lui disais, vas-y, fous le camp avec tes volcans mal éteints. Je balançais du gros sel, je ne voulais pas d'elle. Je voulais London, la lune. Je voulais loin et des territoires sans papa ni maman. J'ai parlé une autre langue, j'ai ricané. J'ai mis des culottes noires à l'envers pour ne pas qu'elles viennent me fuffer dans mon sommeil, et j'ai effacé toute trace en marchant dos au temps, balai à la main. Mais sous mes airs conquistadors, je suis immobile, si éphémère, traversée par cette terre squatteuse, par le vent, par le temps, auquel je ne fais qu'emprunter le mouvement. J'ai cru pouvoir avorter cette huile, j'ai cru fuir, je n'attendais que mon tour. Ce qui est en soi nous oblige tôt ou tard. Un jour, poussée par le mango bleu d'un chagrin d'amour, j'y suis allée. Je n'avais nulle part d'autre où aller, sinon en moi-même, en cette île intérieure. Du bout des lèvres, à rebours, avec ma valise remplie de mes Flaubert, Paris, Nantes, Bordeaux, je suis partie, pas franchement. Et c'est pas franchement du tout que j'ai atterri là, où mes démons, mon grand-père, la maman de bonne maman, tonton Marcel, que je n'ai pas connu, et tant d'autres moi sont terrés en Martinique. Je suis où, là? Je croyais être ici, et je suis encore là-bas, semble-t-il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, être ici, être d'ici? Je n'entends pas, je ne comprends pas. Répète. Je n'entends pas, c'est ça, casse-toi, y salope, inutile Martinique, va. J'enfoncerai dans ton bonda plus profond encore, Paris, Nantes, Bordeaux, mes Flaubert et ma flopée d'amour déçu. Aïe, voilà qu'elle m'échappe, j'ai dit un mot de trop.
Voici que Martinique me jette en pleine solitude, mais je n'ai plus d'autre choix qu'elle, moi. Pour ne pas qu'elle m'abandonne, elle aussi, j'ai dû retrousser mes haines, placer ses fenêtres sous scellés, et j'ai mis dans des bocaux à couvercle tout ce qui traînait d'elle, pour en faire ma jumelle. Elle et moi, dans un même bocal enfer enfermé, bocal étroit en surface mais en sous-face. Nos en-dedans sont gorgés d'eau, d'os rouillés, d'avant-hier mal ficelés de « Merci, monsieur l'abbé, pour tout ce que tu as fait pour moi et pour toi-même surtout. » De cette tombe où je repose, je crie vers vous et vous conjure de prier pour moi. Pas dit, frère, on t'oubliera pas. Le 1er novembre, à grands coups de peinture blanche, ce que nous oublierons, c'est l'évidence d'être beau. Futur souvenir oublié, elle et moi. Nous oublierons l'angoisse d'être des corps bientôt sans pupille. Dans la cour, il n'y aura plus aucun tambouillé pour nous appeler par notre petit nom quand nous serons si loin de ces non-sens. Bonsoir, qui nous prêtent messieurs. Forme humaine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Papillon à la visite, où t'es promis le cadeau. Papillon à la visite, où t'es promis le cadeau. Peinture blanche et bougie rouge pour rendre la mort luminaire, pour en faire un lieu commun et la remettre en question. Tonton Marcel, c'était qui au fait? Tu l'as connu, tonton Marcel? Ah, toi non plus, et moi, moi, tu m'as connu. Missier l'abéa, intercède, j'ai pas mérité ça. Je suis venue tous les dimanches, j'ai prié pour toi. J'ai été bonne, le mauvais, c'est mon cousin, le gros chabin de Terreville. Il y a aussi ma voisine, celle qui roule en 4x4 alors qu'elle a même pas fait d'études et trime pas tout ce que je trime. Sur la tête de ta mère et de tous les poulets égorgés aux croisés, rends-moi mon amour, l'homme qui m'appelait Blue Mango. Rends-moi mes armes, redonne-moi le temps où j'étais belle. Oui, oui, la santé aussi, c'est le plus important. Moi, je voudrais vivre de ma belle vie comme d'autres meurent de leur belle mort. Mais pour un paradis, combien de fautes devrais-je trouver, accepter, endosser? Combien de cochons à recracher? Combien de samsara à traverser à genoux, en compagnie de toutes ces âmes? Elles ont si peur de finir en bougie éteinte comme Bonne Maman, Amie Lucette, Manzelle Marie-Sainte et deux, trois autres, qu'elles brandissent des poupées peintes et s'abandonnent en messe basse pour un carreau de sucre en plus. Le café est trop amer. Pour ne plus pleurer les vivants, je reste concentrée sur une question essentielle. C'était qui, tonton Marcel? La lumière baisse. Et j'ai ma mort à vivre de mon vivant pendant qu'il fait encore clair. Il faudrait ne jamais se croire pour ne pas y croire, ne pas trop croire à ces illusions qui nous agitent et puis nous désarticulent. J'ai tellement cru pouvoir changer d'état en changeant de nom, changer de genre en changeant l'article 73, 74, mettre coloniaux masculins pour ne plus être dominé, mettre mes larmes au sec pour ne plus être miné, mettre l'homme au pluriel pour que l'île soit moins déserte. Mais un homme n'est pas les hommes. Une larme n'a pas de fond et même au masculin, la Martinique se fait enculer. Alors quoi? Et si je faisais une couleur dans mes yeux? Appelez-moi mademoiselle Manzelka et je recommencerai à croire que demain viendra un temps, même si je sais au fond de moi qu'il est déjà passé. J'ai une humeur mangrove, un chat dans la gorge, grain d'amour qui ne passe pas. J'ai tellement cru. Être un pays, quelqu'un, le monde, être belle à m'envoler, avoir le bon numéro, avoir lavé tout mon linge sale. J'ai tellement cru avoir fait un truc de bien, mais la lumière comme un masque tombe. Je m'arrête en chemin. J'ai cru au miracle, cru qu'il reviendrait avec un bouquet de fleurs et son paquet d'allumettes. Pourquoi pas? Oui, mais
pourquoi ? Et puis, ouf, quoi bon vider la mer ? Je m'en fous. J'ai cru m'en foutre royalement. J'ai cru à la fin du monde. Et c'était la fin du monde. J'ai cru être aimée. Mais je suis seule, au centime près. Et cette lumière qui baisse. En premier sont arrivés les beaux souvenirs qui rendent tristes. Puis a déboulé la crainte que tout s'arrête sans personne pour me tenir la main. Cabribois, crapauds et bêtes à feu se sont mises à aboyer. Et la nuit était là, tombée à grand fracas de silence. Les yeux ouverts, je cherche les morceaux échus pour les recoller et m'endormir d'un sommeil entier. Mais j'entends 2 heures. J'entends 3 heures. J'entends 4 heures. J'entends l'aube approcher, damnée aux yeux bandés. Et au matin, je saigne des pieds en marchant sur les derniers bouts de cauchemar qui traînent. 2 ombres encerclent mes yeux. L'arcade sourcilière n'est plus vraiment droite. Regard enfoncé dans un fossé d'os et de paupières. Regard de vieille île de peau fille. Je suis peut-être déjà vieille. Et mon âme incontinente peine à garder mes secrets. Elle laisse le chagrin, les vents d'ailleurs, coloniser mes espérances. J'aimerais retrouver mon enfance arawak. À l'époque, je savais cuire et manger mes ennemis. Je n'en aurais fait qu'une bouchée de cette chienne de solitude. Je voudrais faire belle figure, redevenir l'inofleur aux iguanes tranquilles. Mais sous mes yeux, mes cernes triomphent. T'as une sale mine, ça va ? T'es sûre ? On dirait que tu vas couler avec ta cargaison d'ébène et de mots inutiles. Elle insiste. Tu devrais consulter les gens. Les gens ne savent pas que la solitude crée des mots incurables qui n'existent dans aucun dictionnaire. Ils insistent. Je devrais peut-être consulter. J'entre dans la salle d'attente du docteur Wenene, rue Victor Hugo à Fort-de-France. Comment dire au docteur que j'ai un mal d'âme qui m'empêche de fermer l'œil ? Je lui dirai que j'ai mal au dos, que j'ai mal au bide, que j'ai de l'amiante, que j'ai la tête qui tourne, que c'est sûrement une gastro ou le choléra, et qu'il me faut des somnifères pour guérir de tout ça. Dans la salle d'attente, il n'y a que des hommes, des modèles de nègres à gros mensonges qui arrivent, mais c'est fou ça, à tenir debout alors même que l'île tangue, qui savent tenir leur langue en s'inventant des maladies pour ne pas dire « j'ai mal au cœur ». Je les déshabille du regard. Quelle solitude les amène. Lui, enfoncé au plus profond de lui-même, épaules dégoulinées, ventre mou, bout de fer fondu dans le fond du slibar. Il ressemble à une clé de 8 à 2 pattes. Il a dû être utilisé massivement par sa femme, laquelle lui a dit « je t'aime » le jour où il lui a payé un 4x4. Lui et madame ont une bidime baraque sur le morne. 3 fils de 34, 35 et 36 ans faits coup sur coup. Ben oui, la dame voulait vitement se débarrasser de la queue de son cochon. Un jour, elle a décidé « mon bon épi, Mifietala, je lui ai assez donné ». Pourtant, c'était pas le pire, ce monsieur-là. Et elle lui a coupé le lard en petits morceaux, l'a plongé dans une histoire de salaison, et tous les jours, elle la lui sert avec des pois rouges pour qu'il se la bouffe lui-même sa queue, débouillé quand et puis à faire. Les 3 fils ont réussi. EDF, DFDE, CAF. Le dernier vit toujours chez sa maman, comme on dit, chez sa maman. Parce que la maison n'appartient ni aux hommes, ni aux pères, SDF, dans leur grosse case. Pourtant, les hommes aussi rêvent d'autre chose. Toute la question est de savoir de quoi ? De quoi rêve celui-là qui entre bien debout malgré ses premiers poils blancs dissimulés à coups de bigaine et de cisaille ? Dans
impec, front bondé, dégringolant vers un nez qui se défend plutôt bien d'être gros. Chemise, manches longues, jolie jolie, mais auréolée de sueur, puisqu'on sait tous pertinemment qu'en mai, il fait 31 degrés au Gros Morne, là où il doit habiter. Chaussures à bout pointu, jolie jolie, mais écaillées par les trottoirs du bourg du Gros Morne. Hé gars, ici c'est pas les champs, faudrait pas confondre être évolué et être assimilé. Va chercher tes plastiques et fous-nous la paix avec tes taches de France impossibles à détacher, même à 90 degrés. Celui-là, assis avec une impatience de certitude, dans un agacement de tous ces autres qui ont pourtant exactement la même tête que lui. Chemise à carreaux, bien repassée. Cul à carreaux, bien repassé, regard qui fait la gueule, comme si l'enfance, une enfance, t'es déjà noire, alors tiens-toi à carreau. Cette enfance-là lui était restée en travers de la gorge, et il purge son t'es déjà noire en surveillant le moment où tout ce qui est droit devient tordu, genre un type qui double sans mettre son clignotant, genre la vendeuse qui le sert d'une manière blip, genre une agence qui ferme à 16h30 alors que c'est marqué 17h, genre des femmes XXL boudinées dans un linge ultra slim et jaune en plus de ça, genre une grève sur le port et Molokoï sur la rocade. Il attend toute l'île au tournant. Et il dit, c'est pour ça que le pays n'avance pas. Et l'île, comme lui, prennent des tangentes, vont jouir à gauche, à Sainte-Lucie, depuis qu'à droite, ici, l'usine à rêve a mis la clé sous le paillasson. Lui, assis, jambes ouvertes, corps tout entier offert au pays, corps d'un homme qui ne mange que des abricots au pays, Vanessa, Karine, Julie, Edmond, Léa, Herzuli. Le petit coq vient de plumer Herzuli et il continue de chercher l'origine du monde dans les bas-fonds d'un string, tellement couvé par sa mère qu'il a fini par croire que c'était là que se trouvait le paradis originel, comme c'est écrit dans la Bible. Derrière le grillage de son poulailler, il regarde le soleil droit dans les yeux avec des rébanes qui accentuent les couleurs. Et celui-là qui regarde un soleil briller de l'autre côté de l'île. Il a si peur de ne pas être un bon négro qu'il multiplie les signes extérieurs de négreur. Peau noire, masque nègre. Il cite Cheikh Anta Diop comme une revanche. Il cherche une route vers une Afrique sans bouger de sa ravine. Il renie Martinique, refuse de faire de cette terre obligée son ici-bas. Et il parle, 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 déparle d'un retour en Afrika. Qui Afrika est ça ? J'ai envie de danser comme toi. Celle-là ? Ne sait-il pas que les masques ont des yeux morts et une mémoire en bois ? Et tous les autres qui regardent comme s'ils voulaient être vus pour la première ou la dernière fois. Tous ces autres qui sont bâtis dans des troncs de palmiers, arrachés par le souffle ténu d'une promesse jamais tenue, bois flotté, errant, coincé dans un drôle de protocole. Ils auraient pu être femmes s'ils y avaient pensé plus tôt, s'ils avaient su avant que la cour des hommes était pleine de faux-semblants, de réponses à fournir, de bites qui se la racontent, de factures à payer. Que cette cour-là était prise d'assaut par les lassos harcelants des angoisses des filles, lesquelles les attrapent quand ils sont bien verts, les font mûrir au creux de la main, et quand ils sont prêts à craquer, les relâchent comme ça. Boudoum sur le carreau, comme de vulgaires fruits à pain, fruits à peine. Tous sont là pour la même chose, mal au cœur. Est-ce une femme ? Est-ce une couleur ? Ou bien le maître ? Qui a fabriqué un homme martiniquais. À vous, le docteur Wenene est devant moi. Moi ? Oui, à vous. Avouez quoi ? Que je regarde sous les jupes des hommes et que ça me fait quelque chose ? Avouez que je n'ai pas le choléra ? Il me dit, tirez la langue et faites ah ! Joke. Mais j'ai pas pris assez de recul. J'ai fait un à la Marlène, un A de Makuma. Et Wenene m'a donné du magnésium contre mon choléra. Il y a des jours sans et d'autres sans. Mais je vais quand même mieux et je suis même en train de comploter un rêve. C'est ce rêve qui m'a réveillée ce matin. En posant des reflets rebelles dans ma tête, la lune était sur le pont, sa peau était tendue, marquée par les échos des tambours de rue.
La peau de mon cœur est tendue aussi, ça bat fort à l'intérieur. La foule me tient, elle me retient dans un couloir étroit où je n'ai d'autre choix que de me cogner à ses parois. Et dans chacun des éclats, voici que tous les malades de la salle d'attente, voici que je, voici qu'il, qu'elle surgit. Scandant nos tripes, arrimant nos esprits, battant tambour, nous, demandant, répondait, c'est du bout de nouiller et nous ne voulons plus marcher dans la combine. Répondait, c'est du bout de nouiller, nous, les mal vivants, les mal vécus, du Vauclin à Sainte-Marie, du pays des oreilles jusqu'à Lens-Madame. Répondait, c'est du bout de nouiller, nous, chasserons, cuirons, mangerons l'ennemi venu du dedans. I understand the time is running out. I understand the time is running out. I understand the time is running out. Debout, camarade, avis de grève générale. J'ai quitté la couche de mes lendemains serviles. J'ai rallumé le feu sous les cocottes minutes. Et je suis défendue de mes ouimifiés, de mes problèmes de petite fille à gros poils, pour scander qu'il est mien ce pays-là. À bas la profitation, non, mais à mes 400 000 solitudes. Rends-nous ma terre et casse-toi, pauvre vieux. Tomates, trop cher. Électricité, trop cher. Mourir, trop cher. Brûler à Jutland, ouvrez le camp de concentration. Réparez-moi. Dans le désordre, le merveilleux advient. Et c'est ainsi que l'île me bande. Les prix, je m'en fiche, mon identité n'en a pas. Mon histoire n'est pas en solde. La vie chère n'est qu'un prétexte pour cette utopie qui a besoin d'un mot d'excuse avant de lancer un seul mot d'ordre. Nous-mêmes, négrailles, guéris. J'ai pris ma caméra pour regarder un peuple se faire. J'y crois, sans savoir que l'œil que je ferme pendant que je filme masque les impuissances et rend ce monde probable. Nous pas des Occidentaux, nous pas des Européens, nous sommes des prisonniers. Nous sommes des prisonniers de l'Europe. Maintenant que les capitaines sont ligotés, maintenant que l'utopie tient la barre, quel cri fera monde ? Le cri forgé de bégaiement de eux, nos propres eux, de nos poings suspendus à l'exclamation ? Le cri mal fini de la déchirure d'une aile ? Le cri du dernier numéro de la dernière salle d'attente ? Le cri madras marré qui dit tac, pitac, pitac, tac, n'a plus rien à dire après l'ultime tac et s'échappe dans un yé-crac pour le style ? Le cri de l'emmoué en nous, quel cri fera ronde ? Ce cri d'amour peut. Je crie le cri et j'attends. J'espère qu'on m'entend. J'ai attendu ainsi toute une nuit, lente de 33 nuits que le téléphone sonne. Il appellera demain. Chaque demain est devenu un hier. Demain, j'ai composé le numéro. J'ai dit je t'aime, je t'aime, je t'aime à celui qui est de l'autre côté. Mais le numéro n'est plus valide. Dans les journaux de l'autre bord, je ne suis que brève. Le président n'a pas d'oreille et les ministres quittent l'île des négoces en chaoui. Mon cri n'appartient qu'à ceux qui sont de ce côté-là du rêve. Au jour 34, la réponse est arrivée. Casquée, bleu marine, yo armée, entassée dans des camions policiers. Au-dessus de Trenelle, les fumées noires des lacrymos se sont mises à stagner, chien docile d'une répression qui venait d'exploser. À 21h30, sur la roule de Sainte-Thérèse, j'ai les yeux qui piquent, on dirait. Aux angles morts, la garde mobile surveille les habitants qui veillent. Une tension de fin d'espoir épicillaire. La lutte des impuissants a des élans si dérisoires. Les profiteurs aussi veillent. Ils attendent que nous arrêtions la bamboula. Bientôt l'île leur reviendra comme elle leur a toujours été acquise. Et la rue brille de feux affolés, jaune vif comme une colère enfantine. Lentement, le rouge d'un sang blessé prend le dessus. La chose va s'éteindre, c'est sûr. Les bouches se refermeront et rentreront dans l'ombre. Deux, trois, trop de frustration. C'est peut-être ce que les gens regardent. Se consumer la promesse d'un dissident, dissident, d'un autrement, n'autrement, la dernière chance du monde. D
Déjà sous mes paupières, les 400 000 solitudes ont sorti leur cran d'arrêt. Neg, reviens-moi. J'ai envie de toi cette nuit. Que tes tambours fassent peuple en moi. Et j'ai envie que les gants rouges aillent barrer le soleil à demain. Envie que demain se casse la gueule sur les marches de l'aube et que revienne notre enfance à Rawak. Il reste tant d'ennemis à bouffer. Envie qu'on laisse à cette nuit le temps qu'il faut pour faire de l'an dedans notre premier refuge. Oui, qu'on lui laisse le temps à la nuit. Oui, le pont, là-bas, vous le voyez ? La lune reste suspendue, s'il te plaît, pour moi. À 13h30, à cette heure immobile, assise à la terrasse de Bérage redevenue docile, j'ai commandé une de ces bananes de Martinique que rien ne peut battre. Et avec une fourchette, je l'ai longuement battue, écrasée, pilée, humiliée, dévalorisée, débananisée. Je l'ai mangée avec un esprit de vengeance. Depuis que les docteurs coupent à tour de bras les couilles de mon grand-père, de mes tontons et de mes frères, j'en veux à la banane entière et je lui fais payer le fait d'avoir des pattes saines alors que ses pieds sont pourris de chlordécone, de son chlordécone à elle qui a contaminé les terres et les eaux, empoisonnant cribiche, poisson, igname, patates douces, tous mes légumes enterrés. Toutes mes sources souterraines, de son mal d'école à elle, qui finit maintenant sa course dans les petites affaires poilues de mes hommes en savate. Et elle, malgré la dope à ses pieds, rien, pas ce qu'elle est dans sa chair. On pourrait même en faire un plein régime. Tinal en morue le matin, plantain au chien à midi, figmi au dessert, fraissinette au goûter, macanja gratinée au dîner, et à minuit, banane becker autour des hanches, pour que la vie soit belle, doudou. Sourire aux lèvres et graines saines, wow. En avoir ou pas, telle est ma question. Mes hommes en cravate, eux qui se sont défroqués pour plus d'assimilation, en auront-ils encore assez pour se relever et ne plus rester baissés, cul en l'air, pour une banane et un centime d'Europe ? Hier, génocide par substitution. Jeudi joue, homicide par empoisonnement programmé. Et demain, comme dirait la petite dame, on nous remplacera par un autre personnage. Bonjour. Bonjour. Par Nicky Newman, par exemple, ou par la fille du jardinier, El Diablo, Ruby, Santa Barbara, par un ennemi qui parle comme s'il avait acheté sa réplique chez le chinois de Ducos à 2 euros le paquet de 18 mots. Alors là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. J'ai commis des erreurs, je sais. Ah oui, tu le sais. Tu n'as pourtant jamais l'air de retenir la leçon, mon Jack. Tu mens comme d'autres personnes feraient le ménage. Est-ce que tu as réfléchi une seule seconde ? Réponds-moi, est-ce que tu as réfléchi une seule seconde à la façon dont Noah va réagir ? Ça suffit maintenant. Cette situation n'a plus trop duré, il faut y mettre fin. Tu sais là, se marier avec cette petite, là, c'est deux frères. Tu sais quoi ? Eh ben, se marier avec le corps. Qu'avez-vous apporté ? Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je sais que je vous l'ai déjà demandé hier soir, mais... Ça n'aurait strictement rien changé. Je t'aurais quand même demandé de partir. Mais ça ne change rien. Je veux que ce soit fait aujourd'hui. Mais je le connais, celui-là. C'est Victor. Victor Newman. Je l'ai connu il y a 20 ans dans la télé de Tati Nandi à Val-de-Fontenay, 94. Et le revoilà intact à Saint-Pierre. L'éternel. Eh bien, cet homme-là n'a pas pris une ride. Soit il roule au Botox,
Frune ne mange pas de bananes de Martinique pour continuer encore et encore à jouer au beau dans les maisons des femmes. Les mamans yiches, les maigres au régime, les amoureuses, les pas amoureuses, les premiers, deuxièmes, dixièmes bureaux et les petits garçons aussi ferment portes et fenêtres. Pas pour se protéger de Victor, des Charançons et des autres ennemis, mais pour mieux comprendre la nature des sentiments humains. Enfin, c'est ce que je suppose. Je refuse de croire que le génocide passe par la ménagère martiniquaise. Tout le monde peut commettre des erreurs. C'est la vérité, ça peut arriver à tout le monde. Mais au fond, est-ce qu'un homme ne se résume pas à la somme de ses actes ? J'ai sincèrement cru que je me devais de protéger mon père de cette femme. J'en ai assez entendu, il faut absolument... Moi aussi, j'en ai assez entendu. Sur le générique de fin, sur les peaux de banane, sur les esprits lessivés, sur les cœurs toujours malades, c'est moi, moi et moi qui glissons. Mais que leur importe, au Tout-Puissant, je ne suis qu'une vieille négresse, un confetti déjà poussière de terre. Cette terre, peuplée de vers, dans le fond, au fond des mornes, c'est un vert marron, debout dans les cyclones, regarde. Aussi violent qu'un rouge sous la peau, c'est un vert inaliénable, qu'on peut couper en deux, mais qui repoussera en quatre. Un vert comme un vent sans poignée, dont le soleil s'éprend. Pris, le vert rebelle devient or, éclat obscur de l'enfance qui fait baisser les yeux et tranche les chaînes des figures maudites. Mais on lui a pourri les couilles à ma terre. Quand il n'y en aura plus, pas même pour couvrir les morts, les gros matous s'en iront griffer d'autres Indes et pousseront sur la peau de cette île un peu plus de nos errances et de Leader Price. Quand il n'y aura plus que des femmes stériles, des jouissances refoulées, quand nos couilles seront farcies d'ignames de Bruxelles, de larmes de Lourdes et de toutes les choses des veilleurs importées, nous nous en irons jouer les figurants dans la rubrique des faits divers à la colonne « Meurtre de banane ». J'ai commandé un grand verre d'eau sans chlordécone, l'eau, messieurs, s'il vous plaît. Il a fait sans chlordécone, c'est 2 euros de plus. Et avec ceci, 2 questions, garçon et toi. En as-tu encore des graines à planter ? Frère, dis-moi, tu n'en as pas marre de manger les fruits au goût amer de ta terre irrespectée ? Il a pris l'argent et j'ai remis mes questions dans ma boîte à gants. J'ai roulé. J'ai continué à chercher une foule, un peuple, un reflet à moi-même, si peu nombreuse. Sur ma route, quelques lumières, leurs ombres, des ailes de libellules, des regrets évidents, des sourires de femmes qui savent conjuguer le vide à la première personne du présent progressif. Sur ma route, 4 routes, des avant-hier et d'autres trucs du même genre que j'ai cueillis pour remplir mes bocaux de différentes solitudes que j'ai triées par ordre alphabétique. Ce jour et cette nuit n'y suffisaient pas. Je n'en étais qu'à la lettre M, M comme aime-moi, quand le petit matin m'a trouvé là, assoupi, au milieu de mes solitudes invaincues. Le ciel m'a regardé avec promesse, mais je dormais, et je n'ai surpris que la fin de son regard mouillé, une fin qui ressemble aux airs que l'on prend lorsque l'on détourne vitement la tête, par pudeur, par lâcheté ou par pitié. J'ai attrapé la queue de l'aube et les confiné dans un bocal à la lettre P. P comme petit matin qui me regarde avec pitié. Maintenant, sur la tête crépue du morne, il pleut. Il pleut comme s'il n'avait rien d'autre à faire, comme si Jacques avait dit pleu. Et il pleut là où la météo avait dit bleu. Les vlap, vlap, vlap des lanières d'eau fouettent la peau de la terre fort tellement que des lambeaux écorchés se détachent et dégoulinent en chiffres molles dans les dallos. Coûte que coûte, la terre s'accroche à son morne. Coup après coup, la pluie lui fait lâcher prise. Je regarde ce ciel refaire le monde à sa sauce inattendue. L'inattendu. Un contretemps idéal pour oublier hier mes mangos bleus et même pour oublier de penser à demain. Une capuche sur la tête et le temps à mes pieds, je descends de mon morne, cueille un colibri et le glisse sous mes paupières. L'eau hurlante atterrit ici, à rivière salée, en choses sales, en boue par paquet de 10. Le bourg de rivière salée comme une femme.
une femme comparaison qui n'aime pas, qui ne montre pas ses affaires comme ça, qui n'aime pas celui qui est un peu trop Saint-Lucien, un peu trop haïtien, qui n'ouvre pas sa porte à n'importe qui qu'elle n'a jamais vu nulle part. Mais l'inattendu amène les hommes là où ils ne sont pas, à faire ce qu'ils ne font jamais. Ce matin, moment de déluge, à sortir par la fenêtre pour demander secours au Saint-Lucien, dont la maison est sur 2 étages. Et moi, moi qui viens de chez moi, qui viens de nulle part, j'entre. Tel un silence que nul ne songe à interrompre, je traverse des dedans, des dehors. Toutes dans des walls, intime est là, agrippé au vivant, à un fragment d'objet, à une photo restée debout, à des traces, à une chaussure sans paire, à un jouet abandonné. Qu'y a-t-il à prendre pour moi ? Une histoire ? Une jarre remplie d'or ? Une image ? Un cœur qui a largué ses amarres ? Dans la boue, il n'y a plus ni chauffeur de taxi, ni yéyef, fonctionnaire, RMIF, ni grosse chabine, ni Fakim Anzel Lassa, ni fucking Rasta, ou Missiette Chabaye Konsa, ni adventiste, ni possédant, que des blocs d'hommes dépossédés qui me disent « il n'y a plus de saison, c'est plus comme avant », qui me disent « la grève nous a couillonnés et à présent le ciel », qui me disent « bon Dieu qu'a mettez en l'arrêt, elle en laisse ça », qui me disent « c'est faible ça, c'est que de l'eau », qui me demandent « tu fais des photos pour France Antilles ?» On me dit « quand le diable court derrière toi, il te rattrape toujours, on en rit, tiens, prends la raclette et passe-la ici », c'est ce que l'on me dit. Et le temps était encore à mes pieds, à genoux. J'ai pris la raclette, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire en rêvassant à un beau diable à mes trousses, à ses mains sur mes flammes, oui, je rêvassais comme ça, quand soudain, penché à son balcon, le Saint-Lucien, l'inattendu, les yeux plantés dans ma terre, et j'ai souri à cette Caraïbe au regard bavard. Le colibri a fait battre mes paupières et s'est envolé vers les siennes. D'un seul coup, la Martinique est devenue un nouveau monde. Le mango bleu de mes amours déçus a séché. Voilà que pousse sur mon cœur un homme kénète qui jute quand je le croque. Et dans son cou, un jardin s'étend, glisse le long de la mer, remonte le morne, traverse les bourgs et enracine sous ma peau une île amoureuse. Dieu, qu'elle est belle, cette île. Dieu, qu'elle est mienne avec ce volcan si flamboyant qu'il a brûlé ma dernière culotte noire. Ouai, qu'un bé moins faux, doudou. Mon palais moche, je bijou. J'ai ma vie à vivre de mon vivant, ici dans. Il y a non ni non non, je me souviens, j'étais arrivée à reculons du bout des lèvres. Maintenant, quand je me lève beau matin, j'embrasse avec la langue un pays sans limite. La métropole, le terme me gêne un petit peu, parce que la métropole, c'est le centre et donc... Mais une petite île qui a une rive. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Ah ouais, celle-là, c'est doux et ça me fait mal. Est-ce pour de bon que je l'entends enfin ? La machine à casser les bocaux, à mixer nos solitudes, la machine à zouker Martinique, la machine à lover Martinique, la machine à... Ah!
Merci à ETC Caraïbes pour ce premier festival, ces premières théâtrales. Merci à vous tous qui êtes venus grand bonnet ce matin 9h IRED, mais merci d'être là. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée depuis 3 jours pour préparer tout ça. Gaëlle Dufief à la technique vidéo. Éric Chonville à la technique vidéo aussi. Et Ven, dont j'ignore le nom. Ven le big boxer à la technique son. Merci à vous trois de m'avoir accompagné. Merci à tout le monde. Voilà, c'était le Pick the Poetry de Véronique Canor. Eh oui, Véronique, eh bien, ne partez pas très cher. J'ai choisi pour vous interroger, Monsieur Lefrançois étant absent, un camarade très sympathique, qui s'appelle Rodolphe Solbiac, il est universitaire de son état, il est HDR, donc qui veut dire habilité à diriger des recherches. Il est un spécialiste de la Caraïbe, c'est un brillant spécialiste de la Caraïbe, et il va causer avec toi. Alors, je demande le temps, ne te presse pas, on a le temps, on va vous installer. Donc, il va te parler de ton travail, il va te poser des questions sur ton travail, sur ton regard sur la Caraïbe, sur l'esthétique de l'écriture, tu vois. Et donc, je pense que tu pourras nous dire plein de choses. Oui, d'accord, bah, je suis d'accord. J'espère que je saurai répondre au monsieur. Mais tu sais répondre. Voyons voir. Donc, vous allez vous installer. Voilà. Ah oui, oui, on va, ouais, José va le faire. Il va ouvrir les rideaux. Oui. Alors, bonjour à tous. On doit dire bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, c'est... Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, comment ça va depuis le convoi pour les réparations? Je suis toujours en chemin. Voilà. Donc, ma grand-mère a fait Véronique Desrois. La dernière fois qu'on s'est vu, elle filmait le convoi pour les réparations. À Casse-Pilote et à Bellefontaine. Voilà. Eh bien, il me revient le privilège assez terrible de te faire parler après cette prestation. Alors, je dois dire que je suis encore sous le coup de l'émotion de ce que j'ai vu et que c'est même un peu gênant. Je pense que j'aurais dû t'interroger avant. Je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivé en retard, je ne sais pas qui est responsable. Mais en fait, c'est très difficile parce que je suis encore sous l'effet de l'œuvre qui me touche vraiment et qui me parle et qui parle de moi. Voilà. Alors, je vais commencer ce qu'on m'a demandé. Alors, j'ai préparé un texte en te vous voyant, ne m'en veux pas. Alors, Véronique Canor, vous êtes née à Orléans de parents martiniquais. Vous dites avoir hérité des trésors de l'utopie, et des complexes de leur île. Et que c'est là que se trouve votre territoire artistique. Alors, on note que, quelles que soient les formes de vos créations, il est toujours question d'afro quelque chose. Vous allez vous expliquer là-dessus. Alors, documentaire, fiction, poésie, théâtre, sur scène comme sur papier, vous fouillez les imaginaires et les réalités du monde traversées par la violence coloniale. Alors, vous,
vous avez fait cela dans une pièce de théâtre, Le Temps suspendu de Thuram, en 2014, publiée aux éditions Lanzmann. Dans Combien de solitude, en 2018, paru chez Présence africaine, une pièce de théâtre également, qui a reçu le prix Éthiophile en 2018. D'autres textes publiés dans des anthologies, chez K Édition, chez Cimarron Édition. En 2020, vous publiez Éclaboussure chez Présence africaine. Et bon, on va revenir, je vais vous interroger sur Éclaboussure et puis le lien entre Éclaboussure et cette performance. Et vous dites qu'il faut se représenter vos textes comme un corps en mouvement, avec une peau tendue, des jambes, des poings qui serrent. Il faut imaginer vos textes comme étant vivants, car vous ne les écrivez pas pour qu'ils restent couchés sur du papier. Alors on l'a bien vu là, ils sont vivants. Donc vous les écrivez pour qu'ils se dressent et soient vécus à haute voix. Et vous investissez la scène pour des lectures performatives. Donc voilà, on m'a demandé de vous présenter. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Bon. Alors, sur cette performance si émouvante, j'ai préparé quelques questions. Monsieur Arthur, on m'a demandé 3 questions. Alors, malheureusement, j'ai 3 questions qui en font une dizaine. Donc, il y aura des salves de questions. J'espère que tu pourras répondre. Alors, je ne suis pas d'ici, je suis ici. Alors, le titre de la performance nous indique qu'elle traite du rapport au lieu. Donc, de quelle performance ? De celle qu'on vient de voir ? Celle qu'on vient de voir. Qui s'appelle Solitude Martinique. L'autre, celle dont tu viens de parler, c'est une autre performance. Ah oui, alors, voilà un moment théâtral tragique. Je suis censé interroger Véronique Canor sur Éclaboussure, sur... Alors, Solitude Martinique. Voilà. Mais j'ai les questions pour Solitude Martinique. Alors, je vais recontextualiser Solitude Martinique. Solitude Martinique, c'est la première performance que j'appelle Pick Up Poet Week, que j'ai écrite, filmée et performée. Et puis, à la suite de ça, de cette performance-là, le texte avait été... on me demandait souvent le texte de cette performance, et du coup, je me suis dit, je vais faire une photocopie vite fait, là, comme ça, et comme ça, je pourrais le distribuer à l'issue de la performance. Et finalement, ce texte de performance, à force d'écrire, de revoir, je me suis rendu compte que écrire pour la scène, pour l'image, et écrire pour une édition publiée, c'était pas la même chose. Donc j'ai retravaillé le texte et c'est devenu Combien de solitude. C'est ce texte qui est paru non pas en 2018, mais en 2013, dans la foulée, plus ou moins, qui est paru et qui reprend un peu cette performance. Donc avant le livre Combien de solitude, il y a d'abord une présence vivante, des mots vivants, des images, avant toute chose. Voilà, pour recontextualiser. Très bien, donc j'avais des questions qui vont servir. Alors, la forme, c'est le pick-up poetry, d'accord ? Alors, pourquoi avoir recours à cette forme et qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Alors, en fait, moi, j'ai été fascinée quand j'étais étudiante. J'ai découvert le dub poetry avec El Kaji, Muta Baruka, Oko Onora, Jean Sista, Jean Binta Brive, qui est décédée là, cet été. Et ça m'a fascinée de voir comment les Caribéens de l'immigration anglaise s'emparaient des thématiques qui étaient les leurs, les mettaient en poésie avec du dub derrière. Et le reggae et le dub poetry, parce que c'est une forme de reggae, ça a vraiment forgé ma conscience nègre, ma conscience martiniquaise, ma conscience d'afro-descendant et ma conscience humaine d'être au monde. Donc c'est pour ça que vraiment je suis très fortement impactée par le reggae et plus particulièrement par la dub poetry.
Et je m'étais dit, quand je, si j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose un jour d'artistique, je ferai du picked-up poetry. Donc je ne suis pas encore arrivée là où je voulais arriver par rapport à la forme particulière. Et puis finalement, je me suis dirigée beaucoup plus vers l'image que vers le son. Et c'est pour ça que j'ai rajouté picked derrière pour picture, de poetry avec des images. L'idée, c'était de pouvoir parler de nos affaires, de mes affaires, en fait, des affaires qui m'animent, à travers une bande qui ne serait pas sonore, mais une bande d'images. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de l'œuvre performée ? Quel est le point de départ ? Le point de départ, il était que pendant la grève, j'ai eu soudain 17 ans, encore une fois, et j'ai vécu un moment... Quelle grève ? Je ne vais pas te parler encore. Et voilà, le mouvement social de 2009, oui. La grève de 2009. Quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, ça y est, on y est. La Martinique est en train, et la Guadeloupe et la Guyane, ils sont en train de véritablement fabriquer un nouveau monde pour le monde. Et, et j'étais vraiment à fond. J'ai pris ma caméra, comme je dis, j'ai pris ma caméra pour filmer ce moment qui me semblait vraiment très, très important, fondamental pour l'humanité. J'y croyais, j'étais à fond. Donc je filmais et j'étais extrêmement... Et donc pendant que je filmais, j'écrivais des petits textes pour aller avec. Mais bon, c'était d'abord de l'image que je voulais faire. Je faisais partie de la télé autonome marron à l'époque. Et donc je ramenais des sujets où je présentais le journal de la personne. Donc voilà, donc c'est né de là. Puis ensuite, il y a eu la dégrève, on va dire. Et là, j'ai été très, très triste aussi de 2010, quand j'étais pour le 74, en fait. Et puis bon, ça m'a dépité de voir que toute cette énergie pour déployer, pour repenser l'homme dans la société, avait résulté à juste, on rouvre les magasins et on consomme de plus belle. Donc ça m'avait vraiment angoissée. Je suis partie de Martinique à ce moment-là, plus ou moins. Et puis à un moment donné, il y a Colleen Lee Thompson qui faisait un festival qui s'appelle Vibration Caraïbes à Paris. Et elle m'a proposé de venir dire des textes, chose que je n'avais jamais faite. Donc je me suis dit, bon, je veux bien, mais les seuls textes que j'ai, ce sont des textes qui vont avec des images et qui accompagnent des légendes, en fait. Et elle m'a dit, oui, c'est bon. Et j'ai imaginé ce dispositif où j'étais chef d'orchestre de mes images, je les regardais, je faisais face à qui j'étais aussi à ce moment-là, et donc j'ai écrit la performance comme ça. Voilà, à partir d'images et de ces fragments de texte. Donc l'origine, c'est d'abord la grève et ensuite l'histoire du chagrin d'amour. Ah, d'accord. Alors, tu as écrit un recueil de poésie, au moins. Enfin, je pense à celui publié en 2020. Comment s'y occultes-tu entre l'écriture poétique et l'écriture de la performance ? Est-ce que tu as commencé par écrire autour de tes performances et que ensuite tu as déplacé l'écriture, tu l'as sorti de la performance pour écrire un recueil poétique, pour écrire de la poésie ? Comment ça se passe ? En fait, d'abord je filme, après j'écris. Et ensuite, je vois ce que je peux faire. Donc, comme je peux. Donc là, la performance, là, pour par exemple la dernière, Je ne suis pas d'ici, je suis ici, ça a été une commande du CNRS en France, à Paris, qui m'a commandé, qui avait vu Solitude Martinique et qui est revenu à moi en me disant, j'aimerais bien, on aimerait, pour accompagner un magazine, je ne sais plus comment il s'appelle, un magazine sur post-esclavage, un truc comme ça, un magazine numérique, qui allait sortir et qui était dirigée par Myriam Cotias et Céline Flory. Et donc, elles sont venues vers moi et m'ont dit, tiens, on aimerait bien, on a beaucoup aimé. Elles l'avaient vu à Groix quelques années auparavant. Et donc, au départ, je me suis dit, bon, moi, quand on me demande quelque chose, je dis oui, toujours. Je me dis, c'est une opportunité de m'exercer, de dire ce que je peux, ce que je dois dire, en fait, et que la poésie s'exprime. Donc j'ai dit oui pour cette performance en me disant mais citoyenneté ça veut dire quoi, comment moi je peux, tu parlais de circuler, comment je circule dans ces gros mots-là, ces grands mots-là. Et donc j'ai parlé de citoyenneté à travers l'identité et le territoire. Et donc j'ai filmé, et pendant que je filme, c'est des allers-retours, je filme,
je reste longtemps sur place, devant une image, et puis je me dis, et puis soudain il y a quelque chose qui s'écrit en même temps dans ma tête, et puis ensuite je reviens chez moi, j'écris un texte, je retourne après avoir écrit le texte, ah ouais, je peux filmer ça. Ça circule de cette manière-là, et puis j'imagine le dispositif dans le même temps. En fait, c'est les choses qui se superposent, qui font des allers-retours. C'est comme ça que ça se passe. Et l'édition vient toujours après, en fait. D'accord, l'édition vient après. Donc, après avoir vécu avec les gens, puisque tu as un public, c'est une performance, donc tu te retires pour écrire un recueil de poésie. Parce que c'est bien là ma question. Parce que beaucoup d'auteurs font l'inverse. Hein. Ils écrivent un recueil de poésie et l'objectif, c'est d'inscrire leur émotion dans un texte, dans un livre. Et donc, si je comprends bien, tu vis l'expérience du texte, des textes que tu écris avec la caméra et tu vis cette expérience avec les gens avant de la mettre dans un livre. C'est ce que je veux. Oui, parce que moi, vraiment, fondamentalement, je suis réalisatrice de documentaires. Donc la poésie que je fais, elle est documentaire. C'est pour ça qu'il y a des bouts d'interview. Il y en a un peu plus dans l'autre performance. Il y a des bouts. Je documente le réel. Je ne fais que ça avec une écriture qui va être la mienne. C'est-à-dire, j'ai plutôt, on va dire, une écriture poétique, mais c'est toujours de la poésie politique, la poésie documentaire. Je suis vraiment dans cette veine de la dub poetry qui ne parle pas de « oh là là, le ciel, il est bleu, machin, on s'aime sous le soleil ». Tu vois ? Donc, je vais m'emparer de thèmes de société, et c'est ça, moi, le cœur. Alors, que je le fasse en documentaire, que je le fasse dans un livre, ou pour le théâtre, ça va être la même démarche, en fait. Et c'est le support qui change en fonction des opportunités, en fait. Alors, je n'ai plus trop de questions, mais je ne connais pas le timing. Je suis ici par erreur, mais je suis ravi de cette erreur, puisque je devais commenter éclaboussure. Alors, si quelqu'un peut me renseigner sur le programme, éclaboussure, c'est quand ? Non, éclaboussure, c'est pas du tout. Ah, tu fais pas éclaboussure ? Non, éclaboussure, effectivement, on m'avait proposé de le faire, mais c'est une performance. Celle-ci, je l'ai faite avec mes moyens propres. Éclaboussure, en revanche, j'ai travaillé autrement. J'ai travaillé avec une équipe, une chorégraphe. Et donc, je ne peux pas la faire comme ça. C'est vraiment un texte que je travaille, une performance vivante que je travaille et que je veux vraiment mettre à un certain niveau parce qu'il y a aussi des financements dessus. Donc il y a Éclaboussure, c'est un recueil de 4 textes dont un qui est mis en performance. C'est de ça dont tu parles. Je ne suis pas d'ici, je suis ici, qui est une performance qui va, j'espère, prochainement être programmée en Martinique, qui déjà va circuler en France, à Groix, dans le Luberon, non pas Groix, dans le Luberon, en Bretagne et à Avignon, et qui fait partie du programme du mois créole à la fin du mois de novembre. Donc après, je pars pour faire cette performance-là, mais qui nécessite une autre configuration. C'est pour ça que je ne la fais pas aujourd'hui. Voilà. Voilà, mon cher Rodolphe. Mon cher Rodolphe, ça n'a pas été une erreur. Effectivement, dans un premier temps, il était question d'éclaboussure, mais ce n'était pas possible de faire éclaboussure. Dans le cadre de cette manifestation, je pense que mon ami Axel a dû se tromper quand il t'a donné l'information. Et je te récupérerai sur le coup pour que tu n'y aies pas travaillé pour rien. Voilà. Voilà. Absolument. Je sais que tu avais déjà préparé des questions, donc je te récupérerai pour que tu n'aies pas ce sentiment de frustration. Merci beaucoup. Non. Alors, voilà, c'était Véronique Canor et bien sûr Rodolphe Solbiak, un brillant. Il écrit des livres magnifiques. Hein. Il faudrait que vous vous intéressiez à ses travaux parce qu'il fait un travail extraordinaire. Je ne dis pas ça pour le flatter. Il est brillantissime, il fait un travail très intéressant et il écrit des livres magnifiques, il fait un super travail. Rodolphe Solbiak. En tous les cas, maintenant, eh bien, il est l'heure justement d'aller vous rendre compte des livres qui vous intéressent. C'est la pause Casabulle. C'est la pause qui nous permet justement de respirer un coup, de voir les livres,
de faire des auteurs, vous signer des dédicaces. Et puis, nous allons repartir tout à l'heure pour un plateau qui sera consacré au théâtre anglo-caribéen. Un plateau qui sera donc consacré au théâtre caribéen. Et ce sera le théâtre de Carl Phillips qui sera dirigé ce coup-là par Frédéric François avec quelques étudiants. Merci beaucoup.